Et si je vous parlais d'un tube circulaire qui fait le contrôle de température et qui se règle tout seul? Parlons matos. Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui on va parler de l'Ego One. Alors pas la première Ego One qui est sortie en janvier 2015. Non, on va parler de la nouvelle Ego One, la Ego One contrôle de température. Toujours aussi facile, toujours aussi petit. On va avoir un matos qui va faire du contrôle de température sans réglage et qui va pouvoir comme ça atterrir dans les mains de gens qui veulent commencer la vape. Et oui, parce que il n'y a pas que les gros vapoteurs, il y a aussi ceux qui doivent commencer. Et franchement, du contrôle de température dans un modèle compact, c'est top. On va regarder ça tout de suite ensemble. On va essayer de faire un semi-gros plan, me poser un petit peu pour que je puisse prendre mes aises. Voilà. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite, sans transition aucune. Et ouais, la nouveauté, c'est des gros plans, ouais, il y a des gros plans. Bon, alors, on va faire ça sérieux, hein, mince. Alors, c'est pas dit qu'il y aura des gros plans à chaque fois, hein. Je vais pas peut-être me prendre la tête à chaque fois. Donc, ça, c'est notre boîte, c'est notre, donc, Ego One contrôle de température. On va ouvrir ça. Première chose, eh bien, on découvre la Ego One dans son écrin magnifique. On va la poser sur le côté, voilà. On va ouvrir cette petite chose, cette petite trappe. On va découvrir, eh bien, la première chose, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver, hop, le petit scratch code, voilà. Et puis, la notice, qui est entièrement en anglais, entièrement en allemand et entièrement en français. Eh oui, souvent je dis qu'Ilif fait des notices en français. Eh bien, il faut savoir que Joytech aussi, et c'est normal, puisqu'a priori, c'est la même filiale. Ensuite, on va trouver, eh bien, un petit drip tip supplémentaire, n'est-ce pas? Enfin, pas supplémentaire, un drip tip tout court. On va trouver à l'intérieur de ça, eh bien, trois mèches, et j'y reviendrai après. Et on va trouver un câble micro USB. Alors, dans le mien de pack, il n'y a pas la prise. Je pense qu'il y aura des packs avec la prise secteur. Moi, voilà, ça s'arrête là. Et il n'y a plus rien dedans, je le montre. Mais je crois qu'il y aura des packs avec des prises secteur. Alors, on va commencer par le commencement. Cette petite chose, on va enlever ça, fait du contrôle de température. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit effectivement trois petits trous juste en dessous du bouton Fire. Et bien, c'est là qu'on va faire notre contrôle de température. C'est là qu'on va sélectionner notre résistif, notre fil résistif. Alors, ça va aller du wattage classique, ça va aller sur le nickel et ça va aller sur le titane. On va faire rapidement ça, puis on reviendra en gros plan juste pour la mise en fonction du titane, du nickel et du wattage. Donc, j'appuie, il ne se passe rien, ma batterie est éteinte. Et c'est là que ça intervient, le contrôle de température, c'est quand la batterie est éteinte qu'on va pouvoir sélectionner sur quel fil résistif on est. Tout bête, on reste appuyé, batterie éteinte, sur le bouton Fire. Voilà. Là, on voit rouge. On voit rouge. Oh, rouge ici. On est 2, 3, 4, 5, je l'allume, on voit bien, ça clignote. Rouge, eh bien, on est sur le titane. Et là, petite astuce merveilleuse, je ne sais pas si vous avez fait déjà le rapprochement, mais les mèches Ego One en titane ont un petit liseré rouge. Donc ça, c'est un bon moyen mémotechnique. Rouge, on est sur le titane. On rééteint la batterie. Ah, les papiers qui collent. On rééteint la batterie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle s'éteint. On reste appuyé. Watt. On va passer les watts. On reste appuyé. Nickel. On est sur bleu. Et là, vous ne le verrez pas bien à la caméra. Mais le petit cerclage est bleu, donc on sait qu'on est en nickel. Alors ça a l'air bête, mais c'est un bon petit code mnémotechnique pour se souvenir de ça. Et le joint noir, eh bien on est en wattage.
Voilà, voilà. Après, ça reste totalement ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire bouton fire et point barre. On va revenir en plan large et je vous explique tout ça de suite. Hein ? Le gros plan vous a pas suffi ? Punaise. Non, ok. Alors, la suite. Enfin, je me dis, je vais faire un gros plan, comme ça c'est fini la vidéo. Bah non. Ah. Cette petite chose. Ah ouais, le mec s'en fout, quoi. Alors, cette petite chose, Marc. Marc, non, pas Marc, ni Gérard, marche, tout court. Marche en pass-through. Et oui, on peut vapoter et charger en même temps. Elle est pas belle, la vie. Donc, là, je suis sur la mèche titane. On le voit d'ailleurs, le petit LED rouge est allumé. Cette petite chose, quand elle est programmée sur la petite LED rouge en titane, cette petite chose nous fait, je dis pas de bêtises, à 250 degrés. Voilà, c'est réglé à 250 degrés quand c'est sur le titane pré-réglé d'office. On n'a pas le choix pour le coup, mais c'est aussi ça qui est pratique. Et moi je dis, ça marche bien. Petite astuce, Espiglory, c'est l'ami de Candy. Je vais plutôt m'adresser, pour cette petite partie-là en tout cas, aux gens qui commencent la vapote, à qui peut-être on a offert une Ego One classique, on va dire, les premiers modèles, ou une Ego One contre la température, puisque on est quasiment sur le même matos, si ce n'est effectivement ces petites fonctions en plus. Première des choses à savoir, quand vous avez votre Ego One, c'est que dans le pack, les trois mèches sont à l'intérieur de la boîte et l'atto est nu. C'est-à-dire que si vous ouvrez ici, je montre, hein, alors c'est la partie un peu moins intéressante pour ceux qui connaissent ça par cœur, mais si, hop, je dévisse tout ça, si vous ouvrez votre atto la première fois, vous vous retrouvez avec ça. Si vous avez le malheur de ne pas mettre la mèche, de remplir le réservoir et de fermer en vous disant, ben voilà, j'ai pas lu la notice, ça doit être comme ça, bah ça va vous couler partout sur les doigts. Non, il y a une petite, il y a trois petites mèches à l'intérieur et il faut venir les visser sur la base. Autre chose, quand vous mettez une mèche neuve dans une Ego One, on prend la mèche, on la visse sur notre atto, d'accord. On va mettre du liquide à l'intérieur, ici, là, voilà. Et puis un petit peu sur les côtés, histoire d'humecter notre résistance, de façon à ce que au premier fire, au premier switch, vous ne cramiez pas la mèche, parce que ça, c'est définitif. Donc après, bah, vous refermez. Là, j'ai déjà rempli. Alors, les Gohan se remplit sur le côté ici, là, comme ça. Et à travers les petites vitres, on va regarder quand notre réservoir est plein. J'avoue que c'est pas le réservoir le plus facile à remplir. Mais bon, il y a pire, voilà. Hop, c'est peut-être un des défauts de l'Ego One, c'est son remplissage qui est un petit peu chiant. On referme, on vient visser ça sur sa batterie, et après, on va éteindre la batterie. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, elle est éteinte, hein, je dis pas de bêtises, elle est éteinte. Donc j'ai mis la mèche au Cantal. Au Cantal, ouais. Puis au Gruyère aussi, puis au Roquefort. En Cantal, voilà. La mèche en Cantal. Donc je vais me mettre sous la LED marquée W, qui sera la LED blanche. Pour ça, j'ai éteint ma batterie. Batterie éteinte. Je reste appuyé sur le bouton. Alors je sais pas si on va voir quelque chose. Là, bleu, bah, c'est le nickel. Je reste appuyé une nouvelle fois. J'essaie de voir en même temps que vous, ce qui est pas facile. Rouge, titane. Je rappuie encore et ça va être ce coup-ci le blanc. Et là, on est sur les watts. Donc, on y va. Je la rallume. Et ça marche. Nickel, c'est qu'à de le dire, à part que c'est du Cantal. Topissime.
Maintenant, à savoir un truc, c'est que lumière blanche, ça va être le wattage. Si hasardeusement je mets une mèche qui va dépasser un ohm, d'accord, cette petite chose va tout de suite savoir que c'est une mèche élevée, donc qui est au-delà du 1 ohm, elle va passer automatiquement sur wattage. Ce qui fait que si vous mettez une mèche, je sais pas, en 1,5 ou je ne sais pas, et que vous vous êtes mis sur la position nickel ou titane, ça va pas cramer la mèche, ça va directement passer en wattage. Ça, c'est vraiment pas mal. On va changer, on va se mettre avec la mèche au nickel. Hop, un petit coup de sopalin. Donc, c'est pas très compliqué, hein. On revisse sa mèche nickel, on remet un peu de liquide, enfin, pour la première utilisation, après il n'y a plus le besoin. On referme, on rééteint sa batterie, voilà, on reste appuyé, la lumière bleue s'allume, c'est bon, on rééteint la batterie, ça clignote, enfin on rallume la batterie, pardon, je vais y arriver. Nickel, que je vous dise pas de bêtises, en nickel, elle est réglée à 250 degrés Celsius. Alors après, en petit truc technique, a priori pour ce qui est des mèches wattage, on devrait trouver de... Ça sort cette petite chose, sort 25 watts de 0,4 à 0,8. 15 watts de 0,8 à 1,6 ohm et de 7,5 watts de 1,6 à 3,5 ohms. Au cas où vous auriez acheté des mèches CLR pour faire vos mèches vous-même, voilà, ça fonctionne jusqu'à 3,5 ohms. Ça marche nickel. Et là, pour le coup, c'est du nickel. On va... Oula, je fais tomber les trucs. On va se mettre la mèche au titane, 1, 2, 3, 4, 5, je l'éteins, ça s'allume en rouge en restant appuyé, je la rallume, et je suis passé au titane. Franchement, je crois pas qu'il est plus simple. Alors oui, c'est un peu, peut-être un peu trop simple pour certains vapoteurs, mais je me répète, pour les débutants, c'est topissime. Que ce soit celle-là ou l'ancien modèle, peu importe, c'est topissime. Il n'y a rien à faire. Deux, trois petites techniques, mettre un peu de liquide sur sa mèche pour la première utilisation, remplir le réservoir, un petit peu compliqué pour au début. 3, 4, 5, tac, on met en route. On vapote, c'est parfait, on peut vapoter en même temps que ça charge. Petit airflow, si on a envie de plus ou moins de vapeur et avoir une vape plus chaude ou pas. Comme dirait l'autre. Hey, c'est un perfect day. Elle est pas belle la vie. Donc voilà. Je sais pas si je l'ai dit, je sais plus ce que je fais, ce que je dis. Je vais ramasser les trucs qui tombent parce que ça peut toujours servir. Hey, Marvel. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais franchement, allez-y les gars, allez-y. Petite astuce technique, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Ouais, je me répète. Lumière blanche, les joints des mèches au cantal. En cantal, pas au cantal. Les mèches en cantal, bon bah voilà, elles sont noires, donc bon bah tant pis, mais bon, pour ce qui est en tout cas des mèches au nickel, le joint est bleu et la lumière est bleue. Et sur les mèches au titane, les joints sont rouges et la lumière est rouge. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? J'en sais absolument rien, mais je trouve ça plutôt rigolo pour s'en souvenir. Donc, voilà, pas bon vous là, vous savez. Et j'ai envie de vous dire, des bisous masculins. Et bon, alors, une petite barre pour le départ.